Internet! Ah, ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, je m'ennuyais tellement! On dirait que j'avais de la misère à retrouver mon énergie, ma vlog énergie. J'avais de la misère à retrouver le spirit du vlog. J'ai filmé plein de trucs que j'ai jamais eu le courage de monter, qui me tentaient pas. Mais là, on dirait que ça fait longtemps, les gens me parlent du vlog, puis moi aussi, je m'ennuie du vlog. Moi aussi, je m'ennuie du vlog. Puis là, ben, je peux pas me plaindre que j'ai rien à vous raconter parce que j'ai tellement de trucs à vous raconter. Fait que je pense qu'on est dû pour un petit life update. Premièrement, début de l'été, j'ai tellement trippé. J'ai fait une tournée avec Mike. J'ai fait la première partie de Mike Ward. Il m'a invité à faire sa première partie en Abitibi. On a fait 9 shows en 7 soirs. C'était trippant au bout. On a fait le tour de l'Abitibi. Preach est venu nous rejoindre, ça a été vraiment trippant. C'est la canicule en Abitibi, on est à Amos. Aujourd'hui, c'est la dernière journée d'une longue tournée. On a fait le tour de l'Abitibi, moi, Mike et Eric Preach. Demandais ça peut-être une semaine, deux semaines avant de partir. Il m'a demandé de faire sa première partie. Puis j'ai accepté. Puis aujourd'hui, c'est la dernière journée. On monte à Matagami. Je pense qu'on est déjà dans le tour bus. Hein? Garde ça le badass. Mike, il va? Ça va, toi? Ça va, Mike? Qui est badass avec son cigare. Il est tout plus molle que moi. Moi, regarde ça, ça avec ma petite vapoteuse. Ben, c'est parfait, ça. Il est pas plus molle qu'une vapoteuse, un vaporisateur puis une calvitie avancée. Chris, t'as une barbe, t'as une faux beard. Moi, j'en ai pas, man. Faut choisir ce combat, Yann. Pour de vrai, là, c'est imberbe, ces titres, là. Vu que la clim fonctionne pas dans le tour bus en avant, hey, j'ai amené ça. Il fait chaud, là. Il fait chaud en tabarnouche. Là, mais le temps est aux orages, là. Ouais, c'est ça. Le temps est aux orages. C'est loin en tabarnak, Matagami. Moi qui viens de l'Abitibi, j'ai l'impression que c'est dans un autre pays. Hein? Ça va se produire dans un aréna. Ça va faire un rock show. Je me produis dans un aréna. Ah ouais? Ça, on était un band des joueurs de bass en arrière du rideau. Voilà, on est arrivé. Matagami, here we come. Ah, sacré affaire, ça. On a vraiment un stage de show rock. Ah, c'est donc bien cool. Bon, on peut peut-être monter ça, par exemple, pour pas que ça... Ça va peut-être... Les moniteurs, on peut-tu les monter un peu? Au micro, ça va être un peu bien. Ouais. Check. Check. Ça va être ça, c'est notre loge. Un vestiaire de hockey. Non, mais attends, niaise pas, là. Niaise pas, fais ça. Prends la main, prends la chose. Regarde, on le fait.
café, tard, ce que t'as besoin. Boum. Ils ont de la quartz comme vodka. Ça, c'est la vodka à l'isoitier. Alors, vous allez prendre votre phare à jour numéro 4. t'as tout ce que t'as besoin. Et en plus, boum. Oh, yes. Ça commence à arriver. Regardez ça. On va se remplir. On a y attendre 200 personnes. Épreuve à traverser avant. Comment ça va, Matagami? Oh, nice! Oh, nice! Je suis tellement content d'être ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Yann Thériau. Je suis. Il dit ah! Oh! Je suis super content d'être ici. On sortait pas ici, nous autres. On venait pas. C'est pas la place. C'était pas la place pour sortir. Mais j'ai déjà rencontré une fille de Matagami. Hein? Ils veulent savoir c'est qui. C'est donc ben drôle, ça. On a fini, puis j'ai fait comme sacre affaire. Je savais pas qu'on pouvait tout faire ça avec un pénis. Elle dit, attends un peu, je vais sortir la mienne, tu vas voir. Je vais enlever d'autres trucs. Êtes-vous prêts, mesdames et messieurs, pour la deuxième première partie de cette soirée? Ouais! J'aimerais que vous fassiez du bruit. Du bruit pour mon ami Eric Preach! Semaine après être revenu de l'Abitibi avec Mike, je suis reparti en Abitibi, mais cette fois-là pour faire une tournée avec Jer, Marc-André et puis Faf. Ça a été vraiment une hostie de belle tournée. Deux belles tournées en fait. J'ai trippé ben raide. Ça dont je cherchais. Je vais tout vous montrer ça. Et puis après ça, ben, j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'acheter une maison. Ça fait à peu près un mois et demi que je suis, disons, en processus d'acheter une maison. L'offre d'achat est acceptée. La banque a accepté de me prêter. Mike va m'aider un peu pour ce projet-là. Et puis, ça va être une maison. C'est une petite maison studio. Que je me suis acheté entre Québec puis Montréal sur la rive sud, sur le bord de la 132, un beau petit village qui me fait triper bien raide. Puis je suis vraiment content. C'est un rêve que je pensais jamais réaliser un jour. C'était un projet qui était supposé de se passer sur 4-5 ans. Puis en fin de compte, ça a pris, je pense, 3 mois. Je suis super content. On a commencé à acheter du stock. Ma blonde. Elle m'aide beaucoup. On est allé faire une petite razzia chez Ikea, acheter des ustensiles, des mitaines à four, des verres, des trucs comme ça. Ça va me prendre plein de shit. Par chance, les anciens propriétaires laissent laveuse, sécheuse, poêle, frigidaire, mais reste que tout le reste, t'sais, ça en fait tellement des affaires à penser, là, ne serait-ce que des siphons pour la toilette,
des pics à blé d'Inde, des toutes sortes de petits trucs comme ça que tu penses pas, mais qu'il faut que tu ailles dans une maison. Fait que toujours est-il que je vais avoir ma maison d'été, je garde un pied à terre ici à Montréal, ça va être l'appartement un petit peu plus de ma fille. Puis moi, ben, je vais avoir ma maison là-bas, dans ce petit village-là. Puis je vais revenir ici quand ça va être le temps d'enregistrer un sous-écoute ou quand je vais avoir le goût d'être plus près de Montréal, quand je vais avoir des rendez-vous. Puis là, ben, j'ai fait une dernière acquisition. Cette semaine, je trippe au bout. Puis j'espère que je vais pouvoir faire ce que je veux faire avec ça. Regardez ce que j'ai acheté. Voilà, un beau petit meuble mid-century. C'est un meuble, en fait. C'est un ça a l'air de rien comme ça, mais c'est un système de son. Ils faisaient ça dans le temps. C'était des systèmes de son. C'était des meubles complets. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le temps, là, dans les années 70-80, les télés, c'était des meubles. Les radios, c'était des meubles comme ça. Puis j'ai trouvé ça. Puis, ils fonctionnent tout. Je l'ai vraiment pas payé cher. Je l'ai payé 80$. Ça faisait longtemps que j'en cherchais un. Je n'avais déjà acheté un avec ma blonde. Puis, c'est elle qui est repartie avec quand elle a acheté son condo. Puis moi, j'en voulais un plus sur le long. L'autre, il était fait de sa hauteur. Celui-là, il est fait sur le long. Il est parfait pour ce que je veux faire. Puis, il fonctionne super bien. Regardez. Ce que je veux faire avec, c'est le transformer en speaker Bluetooth géant. On va commencer par défaire le panneau. Puis aller voir c'est quoi qu'il y a en arrière de ça. Oh! C'est sale! Il y a de la poussière! Il y a de la poussière là-dedans, regardez ça! Oh wow! Ah puis tiens! Pour mettre des 45 tours. Ça ne m'a pas enlevé tant que ça. Ça écrit qu'il y a une entrée. L'entrée est direct sur le circuit électronique. Fait qu'on va aller voir sur le circuit électronique. Ah oui, je le vois. OK. Tiens. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer avec mon téléphone, voir si ça fonctionne. On va l'allumer. La lumière allume. Fait que là, je vais configurer mon téléphone qui puisse fonctionner avec le petit bidule qui est à l'intérieur que j'ai rajouté. Yes! Mon téléphone fonctionne avec le petit bidule. C'est parfait. Fait que là, déjà, j'ai comme un speaker Bluetooth géant des années 70. Et là, ben... Là, ce que je veux maintenant, c'est que ce soit cet appareil-là, un Google Mini, un haut-parleur intelligent qui communique avec le récepteur Bluetooth. Fait que comme ça, je vais pouvoir donner des commandes vocales à mon vieux meuble de 1970. Oh yes! Ah yes! Yes! Ça fonctionne! Ça fonctionne super bien à part de ça. Écoutez ça. Le son vient vraiment des haut-parleurs ici. Yeah! Pourri, on va arrêter la musique. Fait que là, tout ce qui va me rester à faire, c'est cacher le Google Mini dans le meuble, amener ça dans ma petite maison d'été, puis ça va être un speaker Bluetooth des années 70. C'est cool, non? C'est cool. Wow, je capote au bout. Je trippe tellement.
Wow, un petit DIY facile. Ben, c'était pas tellement un DIY, là, c'était juste brancher deux affaires. Hey, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a rendu heureux. Un petit vlog. Moi, ça m'a rendu heureux. En tout cas, on va essayer d'en faire plus. Je m'ennuie de ça. Je m'ennuie. C'est du trouble, mais calisse que c'est le fun, hein? Moi, on dit qu'on a du fun ensemble. 'tu t'étais spoté une petite chaude. Là, t'es sauvé. Elle va faire des caméras.